Niveau 2. Niveau 2. Yumi. Yumi P. Yumi P. Qui nous dit facile to sugary. Sugary, si quelqu'un sait ce que veut dire sugary, je suis preneur. Hein, sugary, c'est le sucre. Mais Y, sugary. C'est sucré, saupoudré de sucre. Ah, donc ça veut dire que... C'est genre quelque chose qui a été sucré. Donc, à en juger par la logique implacable que j'ai, ça voudrait dire que le sucre est l'inverse du sel. Donc si le niveau est sucré et non salé, il devrait y avoir de l'amour. Je pressens cette volonté de ne pas me faire du mal. Et ça, ça me fait plaisir. Ça change des Franck et de tous ceux qui me veulent faire du mal sur Mario Maker. Voilà. En fait, le niveau est dégueulasse. T'as trois Bowser qui arrivent, qui pop dès le début. T'as des chambres qui te tombent dessus si jamais tu survis. T'as l'avant-fusion et tout, la totale. Ça dépend, parce que si t'es diabétique, t'aimes pas forcément le sucre. Voilà. Ça peut être quelque chose de néfaste. C'est vrai. Si t'es dentiste, par contre, quand tu bois du sucre, tu te frottes les mains. Alors, je sais pas si t'entends, du coup, parce que... D'ailleurs, quand on pense, les dentistes, c'est des gros salauds, parce qu'ils donnent des sucettes aux enfants, alors que... il faut payer pour... Tant que c'est des sucettes qu'ils donnent aux enfants, ça va. Faut soigner les caries des gosses, quoi, après. Ah là 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 là. Alors, au passage, je fais ma pub. Je fais ma pub pourquoi? Parce que... voilà, c'était mon anniversaire, il y a pas... Comment il a fait ça? Mais c'est trop stylé! Mais c'est pas con. De quoi? J'ai pas vu qu'est-ce qu'il a fait? Truc de ouf! Elle? Apparemment, c'est une fille? Oui, elle. Truc de ouf! Les gens vont dire, mais de quoi il parle? Mais c'est énorme! C'est énorme! Elle parle pas assez fort, on l'entend pas. Bah oui, parce qu'elle est un petit peu à presque à 2 mètres. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, mais ce que tu disais tout à l'heure, en fait. Oui, mais qu'est-ce qui t'arrive, là? En fait... Attends. Ah non, je dis de la merde. Non, en fait, ce que j'aime, c'est le passage souterrain avec blocage de scrolling. En fait. Et je suis en train de réfléchir comment elle a fait. En gros, pour bloquer le scrolling vertical, je sais, il n'y a pas de souci. Je sais que comment on peut bloquer le scrolling vertical. Mais qu'elle ait bloqué le scrolling horizontal, alors ça voudrait qu'elle ait créé une deuxième zone volontairement. Comment elle a fait? Il y a quoi de ouf? Mais non, moi j'adore! C'est comme si tu étais dans une phase d'intermédiaire entre deux séquences de niveau. Comment elle a fait? Tender de lire sédatif. Je kiffe! Parce que souvent, quand t'as des passages comme ça... J'interviens. Ah, oui. Je vais me masser tout seul. Attends, putain. Attention, c'est quand même suspect quand tu dis je vais me masser tout seul. Fais gaffe. Ah, je disais quoi, en fait? J'ai plus. Tu parlais de ton anniversaire. Non, mais avant ça... Oh, les frissons partout. Prends-moi ça. Tiens, la transition... En fait, elle a fait une transition, elle a bloqué le scrolling. Comment elle a fait? Mais en général, quand t'as des trucs comme ça, t'as une grosse zone immense pour une toute petite petit passage. Quand tu passes dans un niveau, non? Oui, c'est une deuxième zone, mais... Non, elle a bloqué le scrolling. Comment elle a fait? Elle dort et le fiston. Il sort du garage. Ça va récupérer les véhicules. Son niveau est cool, hein. Putain, il y a du taf. Hein. C'est beau. Ah, je crois qu'il me fallait un vaisseau. Je crois et qu'il me faut un vaisseau. Où est le nuage de la... Non, mais je pense qu'il fait que je suis... Qui a dit, quand tu sais utiliser Super Mario Maker, tu sais faire des zones de un écran. Une zone minimale à création. D'accord. Elle a réduit la taille du niveau de un écran. Faut expliquer. Je nie de l'expliquer à ça. Hein. Parce que je... J'ai pas... Oh, le daron, il est énervé. Touche pas mon fils! Touche pas mon fils!
Tu noteras que le père est plus déterminé quand même. Allez, viens, fiston. Allez, fuis ton vaisseau. Oh, bâtard, il m'a poussé. Salaud. Ah. Putain, je t'ai fait un truc de skill de ouf. Je me fais défoncer. Bah super les gars, ils sont énervés là. Oh, il a touché son père. C'est mignon. C'est mignon, il a touché son papounet. Par contre maintenant faut lâcher les... Faut lâcher le matos. Faut lâcher le matos. Putain, faut lâcher le matos, cousin. Regarde ça. Oh, ah merde, putain, je voulais passer au-dessus. Voilà, tu lâches ton vaisseau maintenant, bien. Ah, putain, je vais mourir encore. Et la bombe qui non. La... Oh non. On va passer en haut, voilà. Troller le père, redescendre, prendre le vaisseau. Allez, on se casse. Ah, j'ai dit il a touché son père, j'ai pas dit où ni comment. Bah, n'ayez pas de mauvaise idée. C'est pas mignon, c'est dégueulasse. C'est complètement dégueulasse. Il est mort. Pourquoi il est mort? Je suis bloqué. Ah non. Oh oui, comme ça. Oh, c'est pété. J'ai pris un trampoline, je l'ai posé au sol, en dessous des autres, et ça les a tous poussés. Surtout où. Surtout où. C'est ouf. Putain, le niveau. Alors, mettez-moi une note entre 0 et 10 pour le niveau de Yumi. Je crois que c'est la première fois que je fais un niveau de Yumi. N'oublie pas de mettre l'étoile. Je mets l'étoile. Là, j'y pense. C'était peut-être pas comme ça qu'il fallait faire. Hein. Moi, j'ai fait comme ça. Yumi va me dire si c'était comme ça que je devais faire. Yumi, si tu es là, peux-tu me dire comment fallait faire ton niveau? Quand tu dis des trucs comme ça, ça te fait penser à... Esprit, es-tu là? Yumi, es-tu là? Si tu es là, Yumi, tu es là.